Salut l'équipe, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement piéger un escroc sur le bon coin qui tente de revendre des espèces de faux AirPods en faisant croire que c'est des nouveaux AirPods pas encore commercialisés. De toute façon, vous aurez l'annonce qui s'affichera juste par ici. Enfin bref, on va tenter de piéger cet escroc, mais cette fois-ci d'une manière un petit peu différente. Pour cette vidéo, j'ai loué un Airbnb. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Airbnb, c'est tout simplement une application qui permet de louer des logements pour une nuit, pour une semaine, pour un mois. Voilà, si vous voulez partir en vacances, si vous voulez faire une petite soirée. Dans la limite des règles actuelles du déconfinement, bien évidemment. Voilà. En gros, c'est une application qui vous permet de louer des logements à des particuliers de manière très simple. Alors, je précise quand même, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Airbnb. Mais si ça vous intéresse, j'ai un code de parrainage qui s'affichera à l'écran qui vous permettra, lors de votre inscription, d'économiser 34€ sur votre première réservation. Donc, si ça vous intéresse, il vous suffira juste de cliquer sur le lien en description pour s'inscrire sur le site. Au passage, je précise tout de même qu'il faut avoir plus de 18 ans si vous voulez vous servir de cette application. Enfin, bref, voilà, on va refermer cette parenthèse. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va piéger un escroc sur le bon coin. Je vais le faire venir ici, justement. Dans ce Airbnb que j'ai loué. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes pour me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Nicolas et on se retrouve directement quand l'escroc va arriver. C'est parti. Bon là l'équipe, ce que je fais c'est tout simple, c'est que j'installe mes petites caméras tranquillement, j'essaye de bien les cacher pour pas me faire cramer. Je discute un petit peu avec mon caméraman à l'extérieur, histoire qu'on s'organise un petit peu, jusqu'à attendre l'arrivée du vendeur. Bon vas-y, tu restes bien caché derrière la vitre, et tu fais gaffe qu'il te voit pas, ok? Je vais l'ouvrir. Fais gaffe hein, cache-toi bien. Bonjour. Ouais, je viens, quoi. Ça va? Tranquille. Allez-y, rentrez. Ouais. Tu peux t'installer sur le canapé si tu veux. Ouais. Hop, voilà. Donc c'est pour voilà les nouveaux AirPods sur le bon coin. C'est ça, nouvelle génération mon pote. Ouais, c'est avec toi que j'ai parlé, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Attends, je vais fermer un petit peu pour qu'on soit pas dérangé. Hop. Voilà. Comment ça va, t'as fait bonne route? Ouais, tranquille, hein, je connais le quartier, t'inquiète. Ouais, t'as pas le problème à la trouver. Ouais, ouais, tranquille. Ok, lourd. Bon, du coup, alors, en fait, moi, je suis tombé sur ton annonce, sur le bon coin, là. Alors, je te cache pas qu'au début, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, tu vois. Apparemment, tu m'as dit que c'était les nouveaux AirPods de la nouvelle génération. C'est ça. Donc, du coup, moi, je suis allé voir sur le site d'Apple et je les ai pas trouvés, ceux-là, en fait. Normal, ils sont pas encore commercialisés, je te dis. Ah, ils sont pas encore sortis. Oui, oui, je te l'ai dit, c'est pour ça, t'inquiète. Parce que j'ai pas trouvé encore ce modèle et du coup, bah, je me suis dit, c'est bizarre. Non, là, ils sont pas commercialisés, ils vont pas les vendre maintenant. Du coup, c'est parce que moi, j'ai un collègue qui bosse là-bas, chez Apple. Ah, t'as un collègue qui bosse chez Apple. J'ai un collègue qui bosse chez Apple, c'est pour ça, il les a sortis, c'est les prototypes. Ouais. En vrai, je te le dis, c'est les prototypes qui finis, quoi. Tu vois, c'est ceux-là qui sortiront. Ah, ils sont nickel. Voilà, ils sont nickel, ils sont pas bons, y'a pas de soucis. Y'a pas de défaut de fabrication. Ah, rien du tout, mon pote, tu vas péter un plomb. Ouais, lourd. Et lourd, tu te désoies, elles vont saigner, tu vas rien comprendre. Ah ouais? C'est toujours, c'est de la peur. Ah, mais franchement. Là, j'ai hâte de pouvoir tester ça, je peux les voir. Ok, ouais, c'est bien. T'as vu, format boîte, ils ont fait un peu le packaging et tout. C'est pas le même design en fait. C'est pas le même design, c'est normal, je te dis, ils ont refait le packaging. C'est autre chose que les AirPods 2, ils ont eu des soucis dessus. Et là, ils sont lancés dans un nouveau truc. 2.0. Mais c'est quoi cette espèce de H là? C'est le H, regarde. C'est marqué derrière, gros. Ultilight. Be Apple. Avec le T à son côté, tu vois. Ça, c'est la gamme. Ça, c'est Be Apple? Ouais, c'est la gamme. Regarde la gamme. Ça va pas être les AirPods, machin. Ça, c'est fini. C'est fini tout ça, mon frère. Ouais. C'est fini. Ils repartent sur du neuf. H-Light. M-H-Light. Apple, avec le petit A, juste pour rappeler la pomme, tu vois. Tranquille. Que moi, je les ai vus nulle part ailleurs, ce truc. Non, je te dis, c'est pas commercialisé, gros. Ouais, j'ai compris. Mais ton pote, il doit être bien placé, alors. Chez Apple. Oui, chez Apple, il est dans tout ce qui est fabrication. Ouais, ils sortent dans combien de temps, ceux-là? Ceux-là, dans 5-6 mois, je pense, d'ici fin d'année. Donc, il y a bien qui sortent. Ouais, donc c'était 140€ sur l'annonce, c'est ça? C'est ça. 140. Tranquille, 140, apparemment, je les mets à 150. Ah ouais? Et juste petite question, en fait, je voulais savoir, quand ils vont sortir, ils vont coûter combien exactement? Normal, 250. 250 à 300, ça dépend où est-ce qu'ils sont, mais ça va être dans les 250. Ah ouais, donc là, je fais une bonne affaire, là. Bien sûr, mon pote, après, voilà, t'as pas la facture, mais t'inquiète. Ouais. Je t'ai dit, c'est de la... Ils sont... C'est de la frappe, c'est... Ouais. Ils sont top. Ah, bah ça fait plaisir en tout cas, franchement c'est cool hein. Vas-y, mais vas-y mon frère, ouais. Vas-y, teste. Je peux les tester vas-y, un peu c'est... Ouais, fais voir. Oh, figure, qu'est-ce que t'as fait? Ah non, j'ai rien fait, je sais pas, j'ai juste ouvert, c'est... La boîte. Ah non, j'ai à peine ouvert comme ça, tu m'as dit de... Regarde, t'es un fou, toi, t'as la boîte, gros. Mais non, gros, pas du tout. Faut pas t'attirer comme ça, faut mourir. Mais je l'ai juste ouvert, tu m'as dit de... Ouais, je...
t'as déjà eu des AirPods? Bah ouais, moi j'avais les AirPods, tu sais, où tu le clapais comme ça. Et t'as pas de clavé? Bah non, jamais. C'est un fou, bon. C'est pas moi qui ai cassé, gros. Parce que tu crois que je vais vendre un truc cassé, moi? T'es en train de me dire que moi je vends des trucs cassés, non? Non, hey, j'ai pas dit ça. Non, j'ai jamais dit ce que tu dis. Écoute-moi, moi je t'ai jamais dit que je vendais des trucs cassés, quoi que ce soit. J'ai dit que là, c'est pas moi. Après, je sais pas s'il y a un défaut de fabrication ou quoi dessus, mais t'as bien vu, j'ai pas cassé. Mais non, t'as tiré, gros. Bah, vas-y, tu sais quoi? Vas-y. Quoi, tu sais quoi? Ferme-la bien. Ouais, oh, vas-y, essaye. Regarde, essaye. Ouais, mais attention, quand tu arrives, tu veux faire un billet pour le fait d'avoir. Moi, je te le dis direct. Un billet? Alors, ça veut dire que là, tu me vends le truc cassé? Et en plus de ça, je vais te faire. Non. Tu vas payer ce que t'as cassé. Elle est là la différence, mon pote. La différence. Mais c'est toi le ouf. Moi, je te dis, vas-y, au pire, c'est pas grave, c'est juste une boîte, bon, ça sert pas à grand chose. Tu me fais un prix dessus, et là, je suis d'accord. Attends, déjà que je te fais un prix de base dessus, mais t'es fou, toi, quoi. Mais t'es fou. Mais gros, là, tu me dis, la boîte, je l'ouvre, elle se casse et tout. Franchement, 100 euros, je les achète. Et pour le fait que je sois là, tu me prennes la tête, tu vas payer 150, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vas-y, essaye-les déjà, tu vois. Avant, essaye le produit, regarde comme il est. Ouais, attends, moi j'ai ceux-là, tu vois, c'est les comme tu vois. Voilà, les jacks, c'est ça. Attends, je vais juste les caler comme ça, pour pas qu'il y ait de soucis. Hop. Voilà, ça c'est fini pour toi, frère, avec ça, c'est fini, t'auras plus à te faire ch**, le câble. Ouais. Bon, bah. Bon, fais voir du coup, alors, comment ça se passe? Là, hop, tu les prends comme ça. Ah, ils sont gros quand même, non? Non, normal. Okay. Ouais. C'est normal, ils ont un problème avec les AirPods 2. Attends, tu vois un train bouclier, ça rentre pas dans les oreilles, tout le monde sait pas. Bah, vas-y, tu sais quoi? On va chercher les sous. Ouais, je te ramène des beaux AirPods, New Generation, mon pote. Bon, commence pas à me faire. Va chercher les sous. Bon, écoute, je vais te chercher l'argent. Va chercher les sous, très bien. 150 euros, c'est ça? C'est ça, 150. Et bon, bah vas-y, on va dire que c'est pas grave pour la boîte. Ouais, bien sûr que c'est pas grave. Si tu racontes, t'es pas bien, tu casses la boîte et en plus tu crois que je vais te faire un prix ou quoi. Alors déjà, je viens, je te fais un prix de base, je prends des risques en sortant ça, tu vois, de ma poche. Bon, c'est bon, vas-y, je vais chercher les sous, y'a pas de souci. Ouais, trop bien. Bon. 2 minutes, tu m'attends? Vas-y, dépêche. Okay. Vas-y, à de suite. Juste, est-ce que j'ai ramené les sous, donc les 150 euros? C'est ça, 150, ok. Je peux juste émettre une dernière fois les écouteurs? Pour voir un peu. Regarde, ils sont sympas, franchement, bon, du coup. Outre le fait que la boîte, elle soit comme ça, c'est pas grave. Alors, je voulais juste faire un petit essai, tu vois. Juste voir un dernier truc, parce que moi, tu sais, j'avais les anciens, j'ai ceux-là, moi, j'ai toujours eu tous les écouteurs. Je voulais voir parce que avant, tu vois, avec les autres, on pouvait faire un truc et je vais voir si on peut le faire avec ceux-là aussi, en fait. Du coup, attends, je vais juste tester, tu vois, on va se mettre là parce que sinon, ça risque de. Comme ça, tu vois. Et juste, regarde. Ah, tu vois, ça. Pas bien. Ça fait. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai envie de. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas. Tu sais quoi? Tu vas me payer. Tu vas te sortir les sous. Tu vas me donner l'argent tout de suite. Mais je voulais juste. Donne-moi l'argent. Et tu vois l'argent. Non, n'essaye pas de m'avoir, mon pote. Les écouteurs AirPods, normalement, quand on les jette par terre, ils ne sortent pas de la boîte. Moi, j'ai eu les anciens, j'ai eu toutes les générations. Et normalement, quand tu les jettes par terre, ils ne sortent pas de la boîte. Là, regarde. Tu sois. Ils se sont éparpillés en 1000 morceaux, gros. Mais c'est normal, tu prends la boîte, tu la casses en deux. Mais c'est quoi, t'es un malade, quoi. Dans les anciennes AirPods, y a pas ça. Donc je suis désolé, moi, à partir de ce moment-là, tu prends tes clics. Tu t'es claque. Quoi, viens là, 150, tout de suite, 150, tu me gammes, tu sais pas qui je suis, je vais tout. T'es qui? Moi, je suis qui? Tu prends tes clics. Tu demandes arrête de me pousser, gros, arrête de me pousser. Reste tranquille. Calme-toi un peu, d'accord? Tu viens, tu me vends des écouteurs, ils sont chelous. Donc maintenant, écoute, tu prends, tu rentres chez toi. Et basta. Tu viens les écouteurs, tu viens me les. Tu vas me sortir les sous. Et si je te sors pas les sous? Si je te sors pas les sous, tu vas faire quoi? Je vais retourner ta baraque, je vais la cramer. Je vais retourner ta baraque, je vais tout brûler, mon pote. Tu vois tout ce qu'il y a chez toi? C'est fini pour toi, t'as plus de vie. T'as plus de vie. Juste pour ne pas d'écouter. Parce que je les ai appelés tout à l'heure quand je. Non mais on sait jamais. Non mais attends, viens. Je vais où, frérot. Oh, c'est un malade. Oh, t'as vu comme il s'est parti en courant et tout? Oh, il a eu la peur de sa vie.
Ah, bien joué, franchement. Bon, l'équipe, je me doute qu'après la vidéo, ça vous intéresse un petit peu de voir ce qu'au final, en fait, ils voulaient me vendre, quoi. Enfin, un petit peu de plus près la marchandise. Les fameux AirPods nouvelle génération 2.0, je sais pas trop quoi. Bon, vu que le mec s'est barré, bah, j'ai pu récupérer la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une espèce de réplique de AirPods un peu mal faite, on va pas se le cacher. Ce qu'il essayait de me revendre 150€. Et à mon avis, ça, il a très certainement dû pas l'acheter plus de 30€. Donc, bon, voilà la douille. Enfin, bref, plutôt content de l'avoir piégé. Voilà, au moins, ça aura évité quelqu'un de se faire arnaquer, hein, parce que peut-être que quelqu'un s'est tombé dans le piège. Et voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour suivre toutes les futures vidéos. Sur ce, c'était Mickaël H et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.